dans notre système fiscal, il n'est pas listé, on n'est pas obligé de lister le nom exact de votre métier pour que vous payiez l'impôt. Le principe, c'est que l'équité, justement, vous devez payer l'article 39 de la Constitution. Chacun doit payer en fonction de ses capacités contributives. Et donc, la capacité contributive, que vous gagnez votre argent, l'agriculture ou bien des travaux sur électronique depuis votre maison ou bien en allant au bureau, vous devez payer la même chose et contribuer à l'effort de l'État de la même manière. De la même manière. Donc, les youtubeurs, comme d'autres, hein, donc chacun, quand il a des revenus récurrents, il est imposable, il devient imposable, et nous avons, à travers l'information dont on dispose, on arrive à les identifier et nous les relançons.